Alors, dans la série D, une histoire de reconnaissance, on y va pour la correction de l'exercice 9, une histoire de reconnaissance 4. Première question, démontrer que le quadrilatère MNPQ est un parallélogramme. Entre parenthèses, on pourra s'intéresser à ses angles. Alors, regarde, je te remets encore le petit dessin ici. On a un quadrilatère. Et si on arrive à montrer donc, que ces angles opposés sont de même mesure, on pourra conclure que c'est un parallélogramme. Alors, regardons sur notre figure. Bah, les angles opposés, tu vois, on a 65 et 65, ce qui fait 130. On a 130 et 130 et on a 50 et 50. Donc, non, on a, point de départ, on a donc un quadrilatère dont les angles opposés sont de même mesure. Donc, c'est un parallélogramme. Alors, on y va. MNPQ est un quadrilatère. Propriété de ce quadrilatère dont les angles opposés sont de même mesure. Donc MNPQ est un parallélogramme. Question 2. Déterminer en justifiant la mesure de l'angle NOP. Alors, on cherche la mesure de cet angle-là, NOP. Alors, tu peux travailler au final un peu dans n'importe quel triangle ici de ton parallélogramme, ça ne change rien. Alors, tu vois, on a le triangle, on va travailler dans le triangle NOP par exemple. Souviens-toi, la somme des trois mesures des angles d'un triangle fait 180 degrés. Cet angle-là mesure 65 degrés, celui-ci 25 degrés, ce qui fait donc un total ici de 90 degrés. Et donc pour aller jusqu'à 180, forcément ici on a 90 degrés. On a donc un triangle rectangle ici en haut. Tac, ici on a un angle droit. Alors on va juste écrire que du coup la mesure de l'angle NOP, eh bien c'est 180 degrés moins 65 degrés plus 25 degrés et ça donne 90 degrés. Question 3, en déduire que MNPQ est un losange. Alors, on était au stade de parallélogramme. On vient de voir ici qu'on avait un angle droit. On a un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et donc c'est un losange. Alors, on écrit MNPQ est un parallélogramme. Ce parallélogramme, il possède donc la propriété, il possède des diagonales qui sont perpendiculaires, donc dont les diagonales sont perpendiculaires. Conclusion, donc MNPQ est un losange.